chita parler ensemble. Parce que dialogue, c'est premier pas sur autre changement. C'est des visas nous choisis pendant tout temps nous pral travail ensemble pour nous arriver dans changement nos besoins. Aucun pays pas qu'à développer dans chirépite ak nan goumen tout temps. Les sa fait comme ça nous perd du temps, nous fait bac. Les sous route nous comme peuple nous arriver yon côté nous bloquer. Faut que nous ka chercher ensemble solution cap débloquer nous. Parce que en pile fois c'est chercher ensemble qui plus difficile. C'est ensemble nous t'ai fait 1804. Le 22 janvier dernier, nous avons pu obtenir ensemble 5 accords. Ce qui augure que nous pouvons travailler ensemble. Nous allons continuer à nous entraîner sur cette même voie afin de réussir le reste du parcours. Et quel sera le travail que nous aurons à produire sur les 3 thématiques concertées ensemble? Il s'agira de débroussailler, de discuter, de proposer, de négocier et de conclure. Voilà le chemin ou le parcours du dialogue que le document du protocole de médiation va encadrer. Comme nous l'avions souligné mercredi dernier, le travail entre fils et filles d'une même nation, frères et sœurs d'une même terre, consiste à résoudre ensemble nos problèmes et non à nous opposer les uns aux autres. Et nous ne pouvons pas déléguer cette responsabilité à d'autres, car ce dialogue inter-haïtien, personne ne peut le faire à notre place. Nous ne devons pas accepter de léguer à la postérité un pays ravagé par les querelles et les divisions intestines, alors qu'il nous est possible de nous montrer si généreux. Cette recherche de solutions doit se faire dans la vérité. Car si tu ne cherches pas avec les autres la vérité, tu cours le risque de perdre la tienne. Celui qui se croit détenteur ou possesseur de la vérité s'en est déjà dépouillé. Il ne lui sera pas facile de prendre le chemin du dialogue sincère. C'est un impératif dominé par le bien commun du peuple, le bonheur de tous et de toutes. C'est déjà engager une forme de notre responsabilité face à l'avenir d'Haïti. Cela ne peut pas et ne doit pas être le jeu et l'enjeu des calculs politiques. La vie et les personnes doivent primer sur tout. Alors, chers compatriotes, chers responsables politiques, serviteurs de l'État et du peuple, mettons-nous au travail avec bonne foi et dans la bonne volonté, et nous serons tous gagnants. On chita parler ensemble, parce que dialogue, c'est premier pas sur route changement. L'union fait la force. Pour une fois, l'initiative ne vient pas de la communauté internationale ni de quelconque puissance étrangère. Cette rencontre est notre affaire à nous, haïtiennes et haïtiens. Et les résultats qui en sortiront seront notre œuvre et marqueront le début de la reconquête de la plénitude de notre souveraineté mise entre parenthèses depuis trop longtemps. Nous saluons la réponse massive des acteurs politiques qui ont compris que le salut ne se trouve pas forcément dans la confrontation permanente, mais que le dialogue reste la meilleure méthode de règlement de conflits. Nous voulons ici lancer un appel
à certains de nos compatriotes qui ont cru bon de refuser le dialogue. Nous vous disons, ou bien nous disons à ces derniers, que les partis politiques qui ont pris leurs responsabilités en répondant à l'appel de Mgr Langlois ne sont pas venus ici chercher un job. Les partis politiques sont de bonne foi quand ils disent qu'ils veulent trouver des solutions consensuelles aux multiples problèmes auxquels notre pays, ses institutions et ses habitants sont confrontés. Au moment où nous nous réunissons ici entre Haïtiens, à Genève, le gouvernement syrien et des représentants de l'opposition syrienne qui continuent à se battre violemment sur le terrain ont accepté de s'asseoir à une table de négociation et de se parler alors même que leur position semble totalement irréconciliable. Il n'y a aucune honte à admettre qu'on s'est trompé de stratégie ni à se laisser convaincre par des compatriotes de prendre le train en marche et d'abandonner la voie du jusqu'au boutisme et de la politique du pire. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, maintenant même, les élèves de nos lycées et collèges, nos enfants, l'avenir de notre pays, sont dans les rues pour réclamer la présence de professeurs dans leurs salles de classe, pour leur donner le pain de l'instruction. D'autres réclament l'accès à l'électricité, l'augmentation du salaire minimum, revalorisation substantielle de la fonction enseignante, la lutte contre la corruption, la récupération de la plénitude de la souveraineté nationale, la création d'emplois, la relance de la production nationale, le droit à une justice équitable et indépendante. Nous pourrions continuer longtemps à faire cette énumération. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, chers amis, chers membres des partis politiques. Le pays ne peut plus attendre et n'acceptera pas de nous ni des atermoiements, ni des manœuvres politiciennes. La nation attend des discussions que nous engageons aujourd'hui, des résultats concrets. Un accord politique susceptible d'engager notre pays pour de bon sur la voie de la modernité démocratique et du progrès économique et social. Il nous faudra toutes et tous faire preuve de dépassement, d'abnégation de bonne volonté et de sens du compromis si nous ne voulons pas échouer dans notre entreprise. Les partis politiques abordent ces discussions interhaïtiennes dans cet état d'esprit, mais ils n'accepteront pas n'importe quoi. Les compromis, oui, mais les compromissions, non. Il est évident qu'il nous sera difficile de régler tous les problèmes du pays dans ce round de négociations. Mais les questions essentielles devront être débattues et des réponses satisfaisantes apportées. Pour tout ce qui ne sera pas débattu ou solutionné ici, nous devons prendre engagement pour nous poursuivre le dialogue là, pour nous arriver à cette tunnel pendant que la boumée tout le temps pour l'IA. Faut que nous prenions décision si nous pas fini, c'est sûr que nous pas fini pour nous arriver dans le dialogue national. Monsieur le Président de la République, vous avez une lourde responsabilité dans la démarche que nous entamons aujourd'hui. Il faut reconnaître que si nous en sommes là, c'est parce que vous n'avez pas toujours su conduire la barque nationale comme il se doit, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Nombre de vos actions et de vos manquements que nous n'allons pas reprendre ici ont contribué à nous diviser et à faire naître un climat délétère fait de méfiance et de suspicion. Nous ne mentionnerons que le fait, ici là, nous n'allons que mentionner que le fait que les élections n'ont pas été organisées ni en 2011, ni en 2012, ni en 2013. La publication des noms des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Toutefois, il nous faut reconnaître aussi que des pas ont été faits dans la bonne direction. Par exemple, la publication de la loi électorale, la publication de la loi sur les partis politiques et aussi le respect du mandat des sénateurs. Il vous incombe, Monsieur le Président, de rétablir la confiance et de vous montrer à la hauteur de ce moment historique qui vous impose de vous dépasser et d'oublier votre personne ou vos intérêts partisans. Au cours de ce dialogue, vous devez vous attendre à ce que l'on vous reproche beaucoup de choses. Certaines vérités vous seront dites,
des sacrifices vous seront demandés. Il vous faudra vous montrer capable de transcendance, même quand les échanges seront vifs et passionnés. Le sens du sacrifice, la transcendance, l'ouverture d'esprit, la priorisation des intérêts collectifs sur les intérêts partisans, nous les réclamons aussi des dirigeants des partis politiques que des parlementaires. Nous demanderons à tous, à toutes, et nous implorons à chacun de faire preuve au cours de ce dialogue de respect mutuel et de tolérance dans l'expression de leurs griefs. Ce dialogue ne doit pas se transformer en tribunal. Ce doit être un moment où nous pouvons, nous, parler franchement et trouver ensemble des solutions à nos problèmes.